kwa consortium na shiriki kwa masikilizano ou cohésion sociale a appuyé la tenue du dialogue intra-communautaire de la communauté Hema déroulé à Bunia pendant 4 jours, soit du mardi 21 au vendredi 24 mars 2023. Une activité organisée par l'association culturelle NT regroupa deux membres de la communauté Hema à laquelle plusieurs centaines de personnes y ont pris part. Nous devons arriver à construire par notre combat quotidien une société de paix, de cohésion et de développement. Le président de l'association culturelle NT est convaincu que les conflits peuvent être évités grâce à la médiation. Les conflits et les divergences doivent être réglés par des moyens pacifiques et que la force reste à l'état et la vengeance à l'éternel Dieu. Les jours de la clôture, il a rappelé le principal objectif poursuivi par la dite activité, un objectif qui a été atteint, selon lui. L'objectif global de ces assises était de réunir les différentes civilités Hema pour réfléchir et dresser l'état des lieux de la situation actuelle à l'interne afin d'élaborer une feuille de route pour la relance communautaire avec les gogos de toutes les parties prenantes qui peuvent compatir à la situation désastreuse de la communauté. C'est avec joie que j'exprime ma satisfaction à l'issue de ces 4 jours de travail. Estimant être satisfait des résultats obtenus, le consortium Cohésion Sociale promet de continuer à appuyer les restes du processus. Cette activité en parfait alignement avec l'objectif spécifique 2 de notre projet, qui vise, n'est-ce pas, à promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique au sein des communautés. Donc notre consortium a senti vraiment intéressé de participer à cette activité, n'est-ce pas, en apportant son appui multiforme pour l'organisation de ces travaux. Nous avions, n'est-ce pas, déboursé une somme de 32 000 dollars pour ce qui est de notre consortium cohésion sociale pour aussi prendre en charge certaines activités de ce forum. Nous entendons sous cet angle-là continuer à appuyer, n'est-ce pas, la feuille de route qui est sorti du dialogue. Cette activité a bénéficié aussi de l'appui des autres organisations, notamment la MONUSCO et les consortiums médiation. Le dialogue était juste une étape. Je dois signaler que notre activité, notre collaboration avec les autres parties prenantes ne se limitait pas au dialogue. Il y a eu des travaux préparatoires. Les engagements qui ont été pris lors de ce dialogue, n'est-ce pas, trouvent forme sur le terrain. Globalement, nous sommes satisfaits. Il faut aussi noter un accompagnement technique du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Tout ceci sous la conduite des autorités provinciales. Félicité avec le courage et l'abnégation que vous avez fait montre. Et je pense qu'il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble. Lancé depuis le 7 juillet 2022 à Bunia, le projet Nashiriki kwa Masikilizano, exécuté dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. Il a une durée de 18 mois sous l'égide de NRC. Justice Plus, International Alert et Search for Common Ground sont des organisations de mise en œuvre, membres du consortium.